Je m'appelle Maud Lamine Badian, directeur du stade Aline Citoyen Diatta. Votre réaction par rapport justement à cette action de haute portée sociale et humanitaire qui porte la signature de ce ministère? Mais ma réaction, c'est une réaction vraiment de quelqu'un qui est très 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 content. Parce que Seydou, je l'appelle comme ça, Seydou, mon grand frère. Ses actions sur le plan humanitaire, on ne peut pas les compter. Même si on commence aujourd'hui, peut-être que c'est tard dans la nuit qu'on va continuer, s'arrêter. C'est quelqu'un qui se soucie vraiment du bien-être des populations, de Ziguinchor, mais du Sénégal en général. Mais surtout en particulier des sportifs. Plusieurs fois, il est entré dans mon bureau. Ce qu'on se dit, c'est la toiture. C'est comment faire pour que le sport Ziguinchorois soit un sport vraiment qui joue les premiers rôles au niveau du Sénégal. Aujourd'hui, s'il fait ces actions-là, s'il est dans cette action, ça ne me surprend pas. C'est pas, même si on me réveille à 4h du matin pour me dire voilà ce que le président du CASA a fait, je dirais que c'est normal. Et je le dis chaque fois qu'il est dans son rôle. Pourquoi il est dans son rôle? Parce que des fois, Dieu ne donne pas à n'importe qui la possibilité de faire. On a des gens qui sont là, qui ont beaucoup d'argent, plus que lui, mais qui ne sont pas dans le social. Ils préfèrent être dans le confort. Mais lui, il est dans le social. Ce que je peux dire, c'est un messie, lui souhaiter une longue vie, une santé de fer, et qu'il puisse toujours avoir des partenaires qui puissent l'aider à réaliser ses projets. Est-ce que êtes-vous satisfait de retrouver justement la totalité de la toiture après ces gestes du président? Mais ça, c'est vraiment une satisfaction extraordinaire, je pourrais dire. Parce que moi, ça me gêne tout le temps de me lever, de voir ma toiture. Comme j'ai dit, ma toiture, parce que le premier responsable du stade, c'est moi. La toiture du stade Aline Citoyen, qui n'est pas en ordre. Des collègues de Saint-Louis, de Tamba, de Kolda, m'appellent pour me dire, mais ta toiture-là, quand est-ce que tu vas la faire? Si j'avais les moyens, comme il l'a dit, je l'aurais réalisé depuis la première année. Mais comme nous n'avons pas de moyens, nous aussi, au niveau de la direction, on fait du social. Le social, c'est quoi? Même les gens qui viennent jouer, ce qu'ils donnent comme contribution, c'est très faible. Vous allez, par exemple, vous prenez le Dakar Sacré-Cœur. Pour une heure de temps, vous êtes à 40 000 de location. 80, vous allez vivre. Mais nous, pour une heure, deux heures de temps, on est à 25 000. Le matin, on est à 10 000. Des fois, des gens viennent vous dire, excusez-nous, est-ce que vous ne pouvez pas nous aider nous n'avons que 5 000 francs. Qu'est-ce que vous voulez? C'est un stade public. On est obligé de faire comme ça. Mais on est vraiment satisfait de retrouver le stade avec une toiture qui est complètement couverte. Et que les sportifs, quand ils viennent le samedi, le dimanche, tous les jours, qu'ils se sentent vraiment à l'aise dans le stade. Koku sante yalla bu baax contente bi da fay am fumu doré mais amul fumu yam comme duma koy faral di waxé man président casa duma ko woyé président mokoy may wax ak mom mon grand frère la koy wax té bu may wax ak mom itam xam nga nit ki da ngay nek ak nit nga gis luma mën bu mëné li dama koy né mën nga plus mom xamna sa yana say bu ko gaay di né on félicite le président du casa man buma yéw jogé dama koy né man félicité wuma la. Xam nga man luma lay wax moy ya nga ce rôle da nga wara def dama lay encourager ñaanal la yalla nga am wergu yaram ak guddu fan bo xamné da ngay mëna toujours fuñu né Ziguinchor ñu ngi joy yow nga ñeu fompu sen rongoñ parce que loolu lañ fi gis Seydou Sané mois de Ramadan bi amul réseaux sociaux bo duggé nga gis ko ci sur le plan social muy dimbali nit ñi di def ay ndogu bo xamné mënona né damay géré suma famille rek. Mais mu ngi fele lool mo la la ko am moy ñaanal ko yalla may ko guddu fan ak wër gu yaram bo xamne meun na toujours fu nit ñi ne jaxle nañu rek buñu dawsé ci mom mu fompu rongoñi tay amna ay action yo xamne buma ko don lim fi man yaguma ci Ziguinchor de 3 ans rek la fi def mais jëlon na ma fi wa basket en charge jël fi wa volleyball en charge ñu dem be Burkina calculer man dem na Burkina pour aller au Burkina avec la voiture, la route, c'est pratiquement 1 million et quelques. Si tu as un problème, il y a pratiquement une délégation qui a pris 10,
djagé nako donc ñom ñep ñu dem be fofu buñu déllu sé contane nañu donc vraiment sante yalla bo amé nit ko xamné mu ngi ni mëna def lolu dañ koy luñuy ñaan rek nit ñi bolo autour de lui ñu bay xatcho yi ak yi amna moment yo xamné yoy amul sens mais dañ nuñ koy yégué mom moy dañuy gëna contane parce que ñun dañuy russa buñu yéwol su suba ci nga xol ci kaw nga gis fi amna toiture fi amna tôle fi amul tôle d'accord donc yoyu bo jëw yéwo nga gis ni fu mu tollu ni stade bi yépp couvrir nañu ku ñëw samedi ku ñëw lundi ku ñëw dimanche di suivre ben match di nga nek à l'aise parce que sportif tam wala spectateur bo yexé ci fi nga wara sétane match bu fu don li ngay sétane nek ko ci confort da fay poser problème donc ñu ngi sante yalla bu baax vraiment bu nga xamné d'ici 3 semaines wala 1 mois dinañu retrouver un stade avec une toiture bo xamné vraiment impec normal merci Ira Madjiba président de la Ligue régionale de football de Ziguinchor. Donc, dire que nous sommes là ce matin pour assister à la à un don de matériel devant pour pouvoir remettre la toiture du stade Alain Stoé à niveau, en état du moins, d'autant plus que, il faut le dire, hein, ce coup de vent qui a pu en tout cas faire voler quelques, pour la plupart du temps, les gradins de la tribune couverte ont fait que par moment, il faut le dire, les recettes ont carrément baissé, d'autant plus que beaucoup de gens depuis lors ont pris sur eux de ne plus venir suivre, n'est-ce pas, les matchs au stade Alain Stoé, d'autant plus que ils te disent par là, il n'y a que du soleil, il ne faut pas être sous le soleil compte tenu de leur état de santé. Mais il y a d'autres qui te disent pour les navetans, ils ne pourront pas être là, d'autant plus que s'il pleut, ils vont recevoir la pluie directement sur eux. Donc c'est ce qui a vraiment impacté sur eux, en tout cas nos recettes. Mais tout compte fait, seuls ceux qui ont les équipes et sont des férus de leurs équipes qui viennent suivre bon an mal an. Mais aujourd'hui que voilà, le généreux donateur qui se trouve être M. Seydou Sané, président du CASA Sport, a bien voulu offrir, n'est-ce pas, remédier à cela en octroyant ce matériel pour pouvoir remettre cette tribune couverte à l'État afin de permettre vraiment aux populations, au public sportif d'une manière générale et au monde du showbiz, il faut le dire, de pouvoir venir et rester dans les meilleures conditions quand même pour suivre les différents spectacles qui se déroulent dans le stade. Alors, dire que encore cette action nous va tout droit au cœur et nous lui en remercions vivement pour ce beau geste, d'autant plus que moi je l'ai toujours dit, la meilleure manière d'aider, c'est de ne pas donner de l'argent, mais c'est d'investir là où ça va servir toute une population, tout un public. Et Seydou l'a bien compris. Il n'en est pas à sa première, il faut le dire. Pour qui connaît Seydou, il est dans l'humanitaire, si je peux le dire hein, ainsi. Ce qu'il a fait comme aide dans ce pays, c'est extraordinaire. Et je pense que c'est ce que même le président de la République a regardé par moment, parce qu'eux aussi sont là pour constater et voir les bonnes actions que les différents membres de la population font. Et ils décernent en fonction de cela des titres, des distinctions. Et c'est ce qui lui a valu d'avoir ce qu'on appelle l'Ordre national du mérite. Donc pour dire que ce n'est pas ramassé, c'est un travail de longue haleine qu'il a eu à faire, qui connaît son parcours au niveau des différentes institutions bancaires. Donc on ne doit pas douter de cela. Donc aujourd'hui, s'il vient poser cet énième acte, ça veut dire qu'il est toujours dans ça et que à la place de l'État, lui, il intervient comme il l'a dit. Et moi, ma compréhension est que on parle de l'État, mais l'État, c'est tout le monde. C'est les populations nous-mêmes, c'est ceux qui dirigent. Donc qui peut faire en sorte que vraiment une partie des préoccupations des populations soit prise en charge, mais vous le faites, c'est comptabilisé dans les bonnes actions de l'État. Voilà, donc c'est ça qui fait que vraiment nous, en tout cas en tant que mouvement associatif, nous remercions du fond du cœur M. en tout cas Seydou Sané, président du CASA Sport, qui est un homme de défi, il faut le dire. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il a engagé un grand chantier, quelque chose qui n'a jamais existé d'ailleurs depuis 69 à nos jours. C'est le siège du CASA Sport qui est en construction, dont le stade va être, la police va être prête dans quelques semaines. Mais aujourd'hui, il engage
cet énorme chantier. Ce n'est pas un petit chantier, il faut le dire. Hein. Donc, pour cela, nous lui remercions et lui disons vraiment encore une fois de plus, nous lui serons en tout cas reconnaissants et que le public sportif, d'une manière générale, lui restera en tout cas très reconnaissant de, par ce beau geste qu'il vient de poser. Voilà. Bon, voilà tous deux. Moi, je suis président de la Ligue de football régionale Bouziguinchor. Je suis en train pour faire que Ndimbelbu, président Casasport, M. Seydou Sané, Andy, diko dimbalé stade Aline Cito Diata ñi bi nga xamné né ci matna lu wessu na at ngelaw bu fort mo ñew mu génné en tout cas zingi ba taxna ñi bëré dotu ñu won ñew stade Aline Cito parce que bo len waxé ñi né la ñam sen wërgu yaram wala mënu ñu nek ci naaj wala mënu ñu nek ci taw té muy dëgg lolu nak mu ñew nek li nga xamné né da fay yax wañi suñu am. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait organiser une manifestation, moi, j'aime le football, lui, qui gagne Barry, à quoi ni ne que tu vois l'homme musique il demeure nous. Donc, deux dingues guisneni, ce am d'une du demeure nous. D'autant plus que, comme nous m'avons dit, ni Barry du nous n'angouigne parce que voilà, ne qu'un bidou demeure nous. Bêtement, moi, je suis andi était une dimbol butalu nous. L'une mon adresse moi refait le cobu bah bah. Diko gërëm diko sant ci lolu dina rek boudé sédu lañu wax bettuñu d'autant plus que buñu bayé hel touti ci ginaaw amna ay wër ci ginaaw président de la république joxnako fi ben raaya bi nga xamné ni bobu pour déggal ni citoyen modèle la ki nga xamné ni amna lu mu def ci dëkk bi té lolu ñuy def toujours dara ci dëkk bi ñen lañ koy jox donc c'est vrai ñun ñëpp mais défine bi da dul bok ba taxna tay su amé lolu mel nonu ñun duñu lolou duñu bet ba paré mu ñëwaat encore ték lu melni ñukoy gëreum ci lolou lu baax 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 ñi ci contane dina rek sédu buñ ko xamé xamnañu ndimbal bokk na ci lu muy halaat bëss bu nek ba taxna Casa Sport bu mu ko jité amul benen halaat mu né il faut que Casa am kër bi nga xamné ni fofu moy fofu lañ koy xamé fofu lañ koy féké ku ko bëgg gis fofu ngay dem té tay kenn ku nek gis nako feulé quartier Nema 2 mu ngi tabax lu am solo li nga xamné né du pour bopam du pour mom pour askan Casamance la ba taxna tay mu ñew tamit xol ben beur bi nga xamné askan Casamance toujours moko mom moy stade Aline Cito Diata mu def ci lu tollu ni xaliss bu tollu ni ci a partie matériel mu jënd pour dellowat zengu toiture bi man nak ngeen bal ma ci wolof bi bon donc ba taxna ñepp dañ ci contane nañ ci bu baaxa baaxa ba di ko ne vraiment merci beaucoup yalla rek mo am fay mo koy fay waaw té population yi jël nañu note ci lu mu jotté dimbalé askan bi merci mais kan mo voilà quelle réaction cela provoque en vous du mouvement associatif par rapport à l'action de ces années en faveur de la jeunesse en faveur du sport. Oui, comme, voilà. Comme mes devanciers l'ont déjà dit, je pense que dans cette action, il y a des spécificités. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est l'équipe Fagnon de la région qui joue actuellement au niveau de ce stade, mais la grande particularité est du mouvement Naïtan. Et parce que nous ne jouons pas en diurne, nous jouons en nocturne et des fois, ça nous pose énormément de problèmes. Ceci dit qu'aujourd'hui, le fait que M. Seydou Sané puisse prendre sur sa responsabilité la réfection de la toiture nous va droit au cœur. C'est parce qu'aujourd'hui, comme l'a dit le président de la Ligue de football, nous avons besoin de ces mécènes pareils. Parce que le président américain Federer disait, ne te dis pas ce que ton pays peut faire pour toi, mais il faut te dire ce que tu peux faire pour ton pays. Et je pense que le président Seydou Sané est en train de nous confirmer cette assertion. Et c'est énormément important pour nous du mouvement Naoetan. Et en plus, il a égrené un chapelet de doléances qui est en train de trouver des solutions. La subvention des ASC de l'ORECAP de Ziguinchor. Il a parlé aussi de la lumière. Parce que aussi, comme l'a dit le président Irama, réfectionner c'est bon, mais permettre aux autres aussi de pouvoir s'épanouir pendant la nuit aussi, c'est encore meilleur. Encore, monsieur le président de Casasport, Seydou Sané, que j'ai l'habitude d'appeler le meilleur. Pourquoi le meilleur? Lui seul sait, Dieu sait. Bon, c'est parce que c'est un homme au contact de sa jeunesse. Et quand on ne peut pas se sacrifier pour sa jeunesse, je pense qu'il y a quelque chose qui te manque. Et nous, on a l'habitude de dire que ceux-là qui n'ont pas pratiqué le mouvement associatif, ceux-là qui n'ont pas, qui ne sont pas confrontés au mouvement associatif, ils ont des limites. Et par rapport à tout ce qu'ils font dans cette société, vous savez que entre le président Irama, entre le président Saro et d'autres personnes de la ville, il y a de grandes différences dans le domaine du management. Donc c'est un
ouf de soulagement pour vous qui évoluez surtout pendant l'hivernage. C'est un ouf, un hola, un holala de soulagement. Maintenant, en termes de plaidoyer, indexer les autorités locales qui ne jouent pas correctement le rôle par rapport justement à l'amélioration des conditions de la jeunesse. Le président du conseil départemental qui a oublié complètement ce stade pour l'interpeller. Mais peut-être qu'il a oublié que le sport est une compétence transférée. Hein? Peut-être. Il peut oublier que le sport est une compétence transférée. Parce qu'il n'était pas de son rôle et de son droit d'oublier le stade. Le président Seydou l'a dit que le directeur du stade est seul face à tous ces problèmes-là. Mais aujourd'hui aussi, c'est parce qu'on a trouvé un homme du Sérail qu'on a mis à la place, comment dire, au niveau du stade. Et aujourd'hui, je sais qu'il a le soutien du président de la Ligue, du président de l'ODECAP et du président du CASA Sport. C'est pour cela que nous les interpellons à revenir et à prendre en charge toutes les difficultés qui sont au niveau du stade. Comme l'a dit, un problème d'entretien, on ne peut pas attendre l'État. C'est vrai que l'État a un très grand chantier. Hier, on a entendu le président de la République dire au ministre des Sports de lui faire un rapport détaillé avant le 15 juillet. Donc je sais que dans ce rapport-là, il figure en bonne place le stade à l'Institut Diatta. Nous avons dit que nous sommes en train de faire des choses. Le président Irama wax nako sank tay ji li ci ëpp solo ci nawétan la jëm parce que ñun ñoo fi ñëw du football ñun ñoo fi ñëw di entraîner mais tamit comme néna day défar lamp yi ñun duñu football ci bëcëk ñun gudd rek lañu football pour un problème de public mais tay ji loolu yëpp su démé ba jël ko en charge c'est vrai que amna ñu mu défar mais walu wi ci ëpp ñun ñoko jëriño motax sama téway tay fi dama fi téw en tant que président Orca mais en tant que aussi représenter le président Amadou Kane bi nga xamné mo ñu yebal mo mané ma ñëw téw fi parce que action bi dafa reuy tay ji il faut qu'on natte rek wessu nako fa waaw té mo bëggone xamal nit ñi que né nit tamit kèn duko lek kèn duko nan nit dañ koy jëriño nit dalay nekkal fenn nga nekkal ko fenn Seydou tay ji amna fu mu nekkal wazigen waxuma ko nak ngir leneen mais dama bëgg ku nekk xipi sa bëtt pour xam li ñi wax rek nit doko lek nit doko nan daf lay jëriñ nga jëriño ko motax it ñi nga xamné tay ji ño waron def sen walu nga xamné moy conseil départemental ñeneen ak ñeneen té defuñu ko ñu ngi leen di ñaan ñu délo ci sen xel ñëwaat xamné fi ñom ñofi waron def balay keneen di len sen loxo lañ fi waron fekk ñun dañ leen di jappalé waye mais gis nañ ko né tay ji ay affaire entretien président Seydou jël nako en charge et jël na lenen ak lenen en charge dañ koy gëreum diko sante diko ñaanal yalla lampe yi mu fasiyene tal mu tak lumière bi ci génné yalla nako yalla may lumière bobu ba fi mu jëm lumière bobu top ko ba mu egg fi mu wara egg jërëjëf.